Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme, et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financements pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements. Investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisés pour protéger leur population. Thank you.